Bonjour, nous allons apprendre comment jouer Green Sleeves. Et vous pouvez prendre la partition sur le site. En fait, vous allez dans la description et là vous avez un lien. Vous allez là et directement vous pouvez prendre le PDF avec donc les partitions et la tablature. Donc on commence. En fait, on a trois temps par mesure et on va commencer sur le troisième temps. Donc c'est 1, 2, 3. Je mets le deuxième doigt sur la troisième corde à la case 2 et je joue avec l'index. Ensuite, je suis donc à la première mesure. Je joue avec le pouce la cinquième corde à vide et le majeur M la deuxième corde à la case 1. Ensuite, je mets le quatrième doigt sur la corde 2, case 3. Je joue avec l'index. Et là, j'ai le troisième doigt qui est libre. Je le mets sur la cinquième corde, case 3. J'enlève le quatrième doigt. Et je joue le pouce et le majeur avec la première corde à vide. Ce qu'on a fait, c'est ça maintenant. Ensuite, j'ai le premier doigt qui joue sur la corde 1, case 1, avec I. Et ensuite, j'enlève le premier doigt et je joue M avec la première corde à vide. J'ai le troisième et le quatrième doigt, le troisième sur la corde 6, case 3, le quatrième sur la corde 2, case 3, et je joue le pouce et l'annulaire. Donc maintenant, je vais dire IMA au lieu de annulaire ou majeur. Donc c'est P, I, M, A. Et donc P et A. Ensuite, M avec la deuxième corde à vide. Et je rejoue le pouce et l'index. Maintenant, l'index joue sur la troisième corde. Cette nouvelle section, là, je joue le deuxième doigt, je garde toujours le troisième, et je joue le deuxième doigt sur la corde 3, case 2, avec M. Ensuite, je joue l'index sur la deuxième corde à vide, mais j'enlève le deuxième doigt. Parce que je veux avoir ce son. Et je ne veux pas avoir les deux notes qui sonnent en même temps. Et donc je fais M, et ensuite quand je joue l'index, j'enlève en même temps le deuxième doigt. Je vais avec le premier doigt à la case 1 de la corde 2. Et je joue le pouce sur la cinquième corde et le majeur sur la première case, donc M sur la deuxième corde. On va jouer maintenant tout ça et je vais compter le rythme. En fait, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1. 2 et 3, 1, 2. À 3, je joue encore avec le deuxième doigt sur la corde 3, case 2, et l'index. On passe à la mesure 6 maintenant. Pouce sur la cinquième, majeur sur la troisième corde, toujours avec le deuxième doigt. Je joue les deux notes. Ensuite, je joue le premier doigt et l'index, toujours sur la troisième corde. Je rejoue le deuxième doigt et M, toujours sur la troisième corde. En
Ensuite, je joue le pouce sur la sixième corde et l'annulaire sur la deuxième corde. Donc, pouce et A, j'enlève le deuxième doigt et là, j'ai les deux cordes vides. Je mets le premier doigt sur la corde 3, case 1. Je joue avec le M. Et là, je joue avec le deuxième doigt sur la corde 4, case 2, et je joue avec l'index. Je joue cette mesure 6 et 7. Ok, et c'est toujours, le rythme c'est 1, 2 et 3, 1, 2 et 1, 2, 3, pardon, ça fait 1, 2, 3, 1, 2. Sur le troisième temps, je joue, je remets le deuxième doigt et je fais exactement comme avant, avec l'index. Ça on l'a vu, c'est exactement la même chose qu'avant. C'est presque la même chose, sauf la dernière mesure que j'ai jouée. Donc, quand on arrive à la mesure 13, on a pouce et M. Et là, on a la corde à vide. Donc, cette corde à vide, je la fais avec l'index. Donc, j'ai pouce et M, index. Je mets le deuxième doigt sur la troisième corde, case 2. Et là, quand je mets le deuxième doigt, je fais attention à bloquer la deuxième corde qui sonne toujours à vide. Regardez, c'est le Si. Et là, je joue le La. Je joue le La et avec le deuxième doigt, je le mets un peu de travers. Comme ça, je bloque cette corde. Sinon, ça fait ça. Le Si continue à sonner. Okay? Donc, je reprends de cette deuxième partie qui ressemble à la première, qui est exactement la même. Donc on a ça, avec exactement le même doigté. Donc là, pousser M, I sur la deuxième corde, M. Et là maintenant, on a le premier doigt, donc sur la troisième corde, case 1, le sol dièse. Et ensuite, on doit jouer avec le pouce en même temps. Donc, on a ces deux cordes. Et là, on a le quatrième doigt qui va jouer sur la quatrième case de la quatrième corde. Et donc, cette note. Et donc, c'est très important d'avoir la main qui est placée comme ça. Je prends de la mesure d'avant. Regardez, je fais ça et j'ai la main qui est placée comme ça. Maintenant, quand je vais jouer le sol dièse, je descends la main, je descends le pouce derrière et comme ça je me trouve dans cette position et c'est plus facile de jouer comme ça que de jouer là. J'ai du mal avec le quatrième mais c'est beaucoup plus facile de faire ce mouvement. Ok, donc quand vous jouez le sol dièse à ce moment là vous utilisez ça comme pivot, en fait on dit comme ça, et là vous changez la position de la main et donc ça devient plus facile. Ok, donc on a ici. Et là, j'ai le Fa dièse, que je peux jouer avec l'index. Et j'ai le Sol dièse, donc le Fa dièse c'était celui-là. Et j'ai toujours la même note, donc c'est la troisième corde, case 1, que je joue avec M. Et après, je joue la cinquième corde et la troisième corde avec le deuxième doigt sur la case 2. Même note. Et encore la cinquième corde. Et la troisième. Quand je fais la mesure donc 14, là où j'ai ça, je fais attention que quand je joue le quatrième doigt, j'enlève le premier. La pression, comme ça on entend vraiment, et après cette note, et après celle-là. Donc j'ai pas les deux. J'ai pas comme ça, là, quand je joue donc ça, je joue quatrième doigt, j'enlève le doigt.
doigt et après je replace. Et j'ai enlevé le quatrième doigt quand je joue cette note. Okay? Cette section, c'est la première section.